Pendant un pile temps, tu pensais faire créma, c'est une question de don. On prend son don spécial, on prend son force spécial pour le faire bon crémas. Et bah oui. Moi fini par comprendre, par apprendre technique pour faire bon crémas original haïtien. Pour Mercedes, nous te promettons tout, nous pour le faire crémas sous Chenza, et ben jodi a nous pour le faire crémas, mais crémas cocoyé, recette originale haïtienne. Donc à partir de jodi a l'en fin garder et vidéo ça histoire crémas ça pas mystère pour nous encore. Ni pas pour l'acheter vieux crémas sur vendre dans market yo. Nous pour le faire crémas nous-mêmes. OK? On a regardé tout ingrédient a besoin pour nous faire crémas original haïtien à cocoyé. Exécuter recette originale crémas haïtien à cocoyéa, mais ensemble ingrédients a besoin. Pour nous faire crémas cocoyéa, premier élément a besoin c'est cocoyé. Là nous gagnons 4 cocoyés que nous retirer cal marron et puis nous découper, nous pas blender. Nous quitter un morceau ça avec tout poids, c'est pour nous montrer comment nous défaire pour nous faire exécution pour vous. On a besoin clairin, bien alcool ou bien rhum. Là nous gagne 3 tasses rhum blanc. Sous gagne rhum barbancou et coloré et sous gagne rhum barbancou blanc ou bien sous gagne clairin ou du moins ou ta ka utiliser vodka. Mais bon recette crémas haïtien c'est avec rhum ou bien clairin le fait il pas fait à vodka mais sous pas ta joindre du tout car utiliser vodka blanc qui va gagner saveur. On a besoin yon tasse sucre, on a besoin muscade ça nous va le grager pour joindre yon tiquier. On a besoin yon kiye cannelle en poudre, yon tiquier sel, 3 lettres condensé sucré, ça en Haïti en général nous relé le Nestlé. Mais il y a un paquet de l'autre marque qui fait lait condensé sucré. Chaque mamie ça va mesurer 405 grammes. On a besoin de grage. On a besoin d'un fouet électrique. Si vous avez un fouet électrique, vous pouvez toujours utiliser le fouet manuel là pour faire la main. Mais le fouet électrique là pour le permettre d'aller plus vite. On a besoin d'un blender parce que nous ne pouvons pas le grager le cocoïa. Vous pouvez le blender, mais si vous avez un blender, vous pouvez toujours grager le cocoïa. Mais blender a les plus vite et les paniers gros problème nous connaît gros tracas qui gagnent dans grager cocoïa. On a besoin yon qui a essence vanille, yon qui a essence zaman. On a besoin zeste 4 citrons ça yo plus les nous avons besoin jus citron tout, on espérer que 4 citrons ça yo ba nous demi tasse jus citron pour recette là. On a besoin lait. Lait régulier, concentré, etc. N'importe qui l'est là. Élément ça est indispensable pour nous, pas soi, on a besoin pas soi, et puis on a utilisé petit cuvette ça pour faire tout mélange. On a besoin d'éplucher ça, mais c'est pour plus démonstration, pour nous montrer comment nous pouvons retirer peau marron derrière cocoïa avec éplucher ça. Ensuite, comment on peut découper cocoïa avec l'autre éplucher ça. On a besoin de presse citron. On a besoin de mesurer ça pour nous mesurer les ingrédients. Voilà, c'est ensemble ingrédients avec les outils ça nous allons utiliser pour nous faire crémas cocoyé recette originale haïtienne. Pour faire crémas là, il y a une bagarre qui en pile mon raï dans crémas là c'est cocoyé. Il y a une raison pour le raïl parce que cocoyé a depuis dans cassel. Vous comprenez, il faut les deux mettre dans la casse. Non, retirer le nom cocoïa. Blessé même. Et puis, ensuite, vous gagnez pour retirer
cool et des marron ça. Donc c'est un travail vraiment ardu et ça fait des monde qui utilisait et cocoyer qui tout fait dans marmite. Et mais comme c'est nous et pas même goût. OK, alors et alors m'a banon petit conseil pour ne pas besoin blesser, j'aime te blesser à moi-même. Là après tirer cocoyer dans carcasse là, pas utiliser un couteau qui file. Des pour fin casser cocoyer là, des pas de couteau table qui permet tout décortiquer. Moi m'a utilisé couteau chef là, on prend et c'est baili et puis couteau chef et puis couteau à blesser. Donc utiliser de préférence un couteau table. OK? Donc l'on fin retirer dans carcasse là, mais ça le bail. Et puis ça l'on fait crémasse, faut pas gagner ça la donne du tout. Parti marron ça. Et mais ou utiliser un éplucheur comme ça pour retirer, faire bien rapide, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça un couteau m'a retiré là. Ben abgetan faire aussi vite. Et puis il va la retirer aussi bien. OK. Faut retirer tout net, assurer que tout retire. Et puis ensuite ça le fin retire là, n'a rien c'est encore pour nous retirer tout petit crasse qui cala dedans. Maintenant ça on va utiliser un couteau pour couper. Mais plus vous coupez le fin, plus la pile bien blendée toujours, la blendée plus vite. Donc vous pouvez utiliser un éplucheur comme ça pour, ok, par exemple là, pour couper, pour qu'elle blende. Mais sinon, si vous avez gragé, vous êtes même là, bon, vous avez besoin de faire ça en faire là. Voilà, ça c'était pour montrer nous comment nous faire gagner ces cocoyo blanc comme ça, bien nettoyé. Et puis couper petit comme ça. Nous allons passer à Kounia là dans exécution recette là tout bon. Premier principe, n'en fait crémasse pas mélanger avec de l'eau du tout. Donc tout ça qui est liquide dans crémasse là c'est lait concentré sucré, clairin ou bien rhum etc. Mais de l'eau, nous pas servir à de l'eau du tout pour faire crémasse. Donc c'est premier principe là. OK, nous allons blender cocoyer noir. On a fait ça en deux fois. Eh bien, pour blender là, on a utilisé. Pour blender là, on a utilisé lait régulier, lait canation, n'importe lait nous on est en Haïti, et lait concentré ou bien on lait en poudre ou dilué dans de l'eau, etc. Donc on a utilisé lait. Là, il y a 1 litre. Et peut-être nous n'avons pas utilisé toute l'aide là. OK, c'est pour permettre les blender. Nous mettons l'aide là. Si nous voulons tout, nous devons blender avec clairin. Mais on va faire deuxième nettoyage avec clairin ou bien avec alcool pour nous décrasser tout le jus qui vient dans le pâle cocoyer. OK. Deuxième noix fini qu'on y a là. Ça ne va le faire. Alors, premier bagage on fait de toute façon on fait cuisine, on va toujours faire ça. Mais surtout crémasse ça parce que on va l'utiliser mais on faut mais on propre, faut en couper, faut en pas gain cutex, faut en pas gain base. OK? Donc parce que on va l'utiliser mais on pour priger cocoyer. OK, heureusement enfin, et mes gauchement qui t'es blessé là. Donc ça mes doigts là moi l'utiliser pour priger cocoyer. Donc non pas soit qui fin. OK. La priger pour nous tirer toute lettre cocoyer qui t'es blendé avec lettre là. Donc de l'autre qui a blendé là avec clairin sur le vle. Bien. Rhum. Bien brigel. OK, ça c'est dernier partie qui était là.
Nous allons faire une deuxième opération pour nous suivre, nous prenons toutes les lettres qui sont dans le groupe. Okay. Deuxième opération, hein, c'est Rom nous allons vider pour nous faire ma cocoïa. Rom la permet de retirer depuis ces jus de dans le groupe. Depuis l'alcool là, contre avec là, depuis ces jus qui étaient dans tout paillot. OK, alcool là permet toute sortie. Donc on fait une utilisation maximale de cocoïa. Et puis on va faire même opération là. C'est prend ma et puis pesel prigil. OK, opération qui était plus difficile là fini officiellement. Kounya nous pral faire sucre la fond dans lait de cocoïa. Donc nous te gagne une tasse sucre. OK, normalement, tu as de faire là avec ça. Ou boisser jusqu'à ce qu'on pas senti sucre là encore. OK, pour sucre la fond, ou pas senti sucre là en bas et louche là encore. Ouais, là on va attendre ni sucre ni grain de sucre là encore, donc sucre à fond là. Eh bien, OK, kounya, nous allons ajouter lait condensé noir. OK, kounya, nous allons ajouter lait condensé sucre noir. Et m'a rappelé nous gagnons 3 boîtes de 400 grammes. Et puis, nous avons utilisé toute litre lait nous avons gagné pour te blender cocoïa. Mais comme nous pas prévoir utiliser toute litre lait là et utiliser les bails en composition qui ont en liquide, j'ai l'impression que nous pourrions mettre une quatrième boîte lait condensée, sucrée pour faire équilibre. Nous avons nous petit, tout le monde a vécu l'expérience ça. Chita beaucoup de parents, nous les avons fait créma ça. Pour nous, tant de mamites ça, pour nous lamber, pour nicher. Parce que nous ne pas une question blessée, rien, parce que nous avons mamite lait et condensé sucré. Donc nous sommes gênés pour ça. Alors, nichem da niche si m'te si m'pa te camper sur sucre. Alen fin ajoute lait concentré sucré yo, nous boisser mélange là pour que lait concentré a qui anti Jean Presse lui-même li bien entré en dedans en lait de coco hier avec sucre, nous t'y ajouté déjà. OK, kounya n'a pas ajouté cannelle là. Kounya nous va l'ajouter celle-là. Celle-là pour augmenter saveur sucrée crémasse noire. Donc nous va l'ajouter petit pincé sel nous t'ai gagné. Hein? Donc, il n'y a pas de contradictoire, mais le wa fait un bagage qui est sucré, il est très intéressant qu'on ajoute un petit pincé sel là-dedans qui permet de rehausser la saveur sucrée. Essentiel, mettez un qui est essence vanille. Ensuite, on va ajouter un qui est essence zaman. OK, kounya la, nous pral bien boisser, mélanger
tout ingrédient ça ajouté dans composition noire. On quitte le. OK, on y a pas le quitter cannelle là pour bien pénétrer l'aide condensé avec l'aide cocoïa etc. pour bien entrer là-dedans. On les jeunes haïtiennes qui dit l'on commence à boire ces crémas là, c'est qu'il y a même bois. OK, sinon on a tourné. Bon, moi je n'y crois pas, mais en même temps tout m'a qu'il y a même bois papa allez vous dit il tourne dans même là au bon. Donc nous qu'il y a même bois. Bon, c'est peut-être vrai parce que même batteuse électrique bien fouet électrique là son seul bol viré. Bon, bon, donc nous pas prend virer dans l'autre bord gauche là, n'a pas qu'il bord droite là net. OK. Alors nous t'ajouter un quatrième boîte LED condensée. Pour qui ça? Parce que nous pas de compter utiliser toute litre LED là. L'aime taper blender cocoïa. Mais blender a été décidé pas blender si m'pas mettre toute LED là. Donc parce que m'ai utilisé toute litre LED là tout pour me blender cocoïa. Donc et ensuite m'va l'ajouter rhum là. Donc li pas tape épais assez. Donc c'est ça fait m'ajouter quatrième et boîte LED condensée sucrée 405 grammes. OK? Donc qu'on est sûr que mélange fini là, nous pral quitter le poser. Entre-temps, nous pral aller préparer zeste citron. Alors avant zeste citron, muscade là. OK? Nous avons besoin à peu près d'un petit cuillère muscade. Donc, nous avons besoin pour nous jouer un petit cuillère. Si vous voulez tout cacher le muscade là en poudre. Mais, nous avons besoin de saveur muscade frère. OK, nous allons ajouter muscade noir. Nous avons besoin de ça encore. Même bois. Nous allons changer bois. Même si nous avons besoin de la donne, nous changer bois. OK, travail bois sage ça m'a fait avec qui est bois. Tu ca faire avec fouet électrique là. Tu pas aller plus vite. Mais c'est me faut un fouet électrique là. Tout contre ça à la lettre. OK, qu'on y a pas prendre zeste citron. Zeste citron, c'est pour citron. Ou grager. Donc, il peut ajouter un goût crémasse. Donc, là, nous avons crémasse au bon. C'est tout ça nous avons ajouté là et ajouté. Et voilà. On a fini. Voici notre zeste de citron. On l'ajoute dans notre mélange. On fait la même chose, on va le brasser un seul bois. Bonne idée, commencer à la brasser pour faire zeste citron entrer en dedans mélange. OK, qu'on a arrêté deux bagailles pour ajouter dans le crémasse noir pour le fin crémasse net. Premier bagage là, c'est l'alcool là. Là, nous mettons 2 tasses rhum. Juste ajouter. Et 3 tasses nous avons gagné, nous avons une tasse déjà pour pas de cocoïa. OK, nous avons boissé pour rhum là, ou bien l'alcool là, j'en voulais. Bien intégré en dedans mélange noir. La crémasse noire presque fine crémasse. OK, qu'on a un bal prend jus citron. OK, l'autre presse citron la gagne dans route. Heureusement de gon l'autre, ça sont presse orange. Ça fait même travail là. J'ai besoin d'une demi-tasse de jus citron pour quantité cocoyer
quantité lait condensé nous mettez, quantité alcool nous mettez. Soit mon qui pas tellement boire alcool ou pas même alcool, vous n'avez pas mettez 3 tasses, vous n'avez fait avec 2 tasses. Ok, une demi tasse citron. Ouais, tout commence à boire, c'est le bon nombre à ajouter. Même bois, bon droit. Alors, secret pour un crémas là, sauté pour cela, et puis pour bien petit goût à cette justement, c'est juste citron. C'est juste citron qui peut le faire crémas là. Pouès. Mais secret, crémas haïtien. Il y a crémas nous avec sauté, lolo, qui va rien qu'un goût, etc. Donc, c'est parce que vous ne pas mettre juste citron là-dedans. Donc, juste citron à la longue pour le faire pouès. Mais il y a un bon crémas pour boire, c'est folreté et poser pendant un moment. Donc, bon crémas à pour boire, c'est 10 jours après fin faire crémas là. Vous mettez le dans la bouteille, vous mettez le repos en côté. Et puis après 10 jours, c'est le sacré masta bon. Donc depuis premier jour, même si crème masta apparaît bon en bouche etc., mais il pas bien même goût racia après 10 jours. Donc après 1 mois, 2 mois, c'est pas parlé. OK, n'a boissel pendant 2 minutes et puis nous pas le quitter le poser là entre 15 à 20 minutes. Pour que toute épice nous te mette là dedans, à savoir muscade, cannelle, zeste citron, qui a bien entré dans le mélange. Ok, on va quitter le reposer là pendant entre 15 à 20 minutes. Ok, là, crémastouan a plus que 20 minutes depuis la reposer avec tout ingrédient de météo, à savoir muscade, cannelle, zeste citron. Et puis gros secret, je citron. Qu'on y a là, nous allons couler. C'est la dernière étape pour que ça fait. Donc, pour couler, pour retirer, parce que ça n'a pas gain pour gain, hein, toute cannelle, le citron, ça peut être la donne. Nous avons coulé tout ma, ok, qui était dans le passoir. Et normalement, dans le bon passoir, je nous l'autre bagage qui pif fin toujours pour nous recouler en deuxième fois. Mais passoir ça manquait fin. Mais tout ça, nous, tout ces citrons sorti. Mais comme nous avons quitté le poser pendant plus que 20 minutes, donc goût, ces citrons, tabalia qui étant intégré là-dedans. Voilà. Qu'on y a là, nous allons juste mettre dans la bouteille. Et puis, nous quitter le reposer pendant au moins 10 jours. C'est laisser bien prendre goût crémasse là et laisser la bête épaissie. Et crémasse la bête vine, pipoès. Pas de secret dans le fait coup là, mais de secret dans le fait coup là. Ok? Je dis à nous dévoiler comment ou qu'a fait. Propre crémasse haïtien pao cap rapplo et baronnet en français peut-être et elle me dit en français là parce que mon en Haïti yo crémasse pas ta fier devas pas clair donc mais m'a rappelé nous que tes crémasse c'est clair c'est ta fier c'est warm c'est vodka etc. donc ti moun pa gen droit boel et sou pral conduit ou pa gen droit boel crémasse parce que crémasse ça li alcool là-dedans. Alors moi même pas dans sucre pour résolution challenge by tête depuis 1er septembre 2019 faut me river 1er septembre 2020 et les autres dit m'pap ka faire on se maintenant on prend presque mettons mois pour moins qu'un mois pour me un an 365 jours sans sucre ajouté. Alors m'pap ka confirmer si que passe là bon c'est caméraman nous hein moi en pile mon apprécié goûteuse là. Donc, quand vient goûter, quand vient dire, est-ce que crémas la réussi parce que lui-même, lui qu'on boit crémas, grand-mère était qu'on fait bon crémas, donc l'habitude boit crémas, l'habitude boit crémas, il boit crémas Marie Ludio.
Oui, la vite bois cremas, donc la pas confirmer est-ce que cremas là bon. Car la vine goûter. Oh yes, oh yes, oh yes. Hello tout le monde, côté. OK. Je vais boire une crème avec glace. Oui. Elle dit me sauver. Mm-hmm. Est-ce que le sucre est assez? Oui, 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 oui. Le sucre est assez. Si vous avez plus de sucre que ça, il t'a trop sucré. Ça a surtout le goût de mon enfance. Ah ben super. Ah ben super, c'est réussi alors. Oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs avec ma grand-mère, bon, qui est partie. Grand-mère me fait crémasse chaque année. Enfin, grand-mère fait plus bon crémasse que moi pas jamais boire dans le film. Sorry, chef, la crémasse soit bon tout. Mais crémasse grand-mère, c'est un bagage spécial. Franchement, après réaliser qu'il que je bois plus crémasse l'homme t'es petit. Avant de 18 ans, on dirait que crémas pas alcool boy. Mais m'a rappelé que Timon ba yon boit crémas parce que il gagne alcool là-dedans. C'est qu'on amuse ma fille avec crémas. Et crémas ça très bon et me sûr que le li fine raci fermenté bien là c'est pendant quelques jours, la pire bon toujours. Alors m'a rappelé que bon crémas ça pour boire, faut attendre 8 à 10 jours, mais 10 jours à profine fait là ou quitter le reposer, l'elle fin rassi, la épaisse tout avec citron ajouté là-dedans, c'est les sacre mas la pi bon. Et bon, si déjà là même côté tout fait là goûter ça dit bien bon goût, donc c'est réussi. Donc nous ouais, c'était aussi simple que ça. Donc avec chaîne ça, pas gain secret pour tradition recette haïtien. Merci un pile gars là ou à la ver. Bon bon. De toute façon, m'pa boire. Alors gon bonne lot déclinaison gain de crémasse, gain crémasse chocolat, gain crémasse grenadia. Donc si gain moun ki intéressé à l'autre type de crémation, écris-le dans commentaire mandil. Sinon, m'fè crémasse là, m'respecter engagement promesse crémasse de faire. Donc tout moun enjoy crémasse nous, pas oublier fort majeur, pas oublier sou pa louer crémasse là. Fort pas pral conduit après. Enjoy. À ta santé Carla. À la tienne. À bientôt pour une autre recette haïtienne et songez, goûteuse nous, hein, caméraman nous, font toujours à visiter chaîne Nian, li gen vidéo ka intéressant et puis soupat pour abonner à chaîne Nian, al fè sa kounya. À bientôt.